avec le, en partenariat avec le Crous Laurel. Donc c'est une application qui s'appelle Solver et qui permettrait de résoudre tout Rubik's Cube complètement défait. Donc là, hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Tu prends le Rubik's Cube défait, tu le mets à l'intérieur de la tablette. Et là, en fait, tu as juste à attendre quelques secondes. Et logiquement, en fait, le Rubik's Cube se refait tout seul. Très pratique, hein, vous l'avouerez. Tablette, avec les cartes, c'est comme ça. Vous prenez le Rubik's Cube complètement défait, vous faites 1, 2, 3, et en fait, il revient complètement fait. Je te précise peut-être qu'il faut vraiment y croire, hein, mais c'est pas mal, c'est un bon début. Du coup, vas-y, je te laisse faire, tu continues à tourner, et en fait, à un moment ou à un autre, tu t'arrêtes quand tu sens que, voilà, je vais y arriver, tu peux même le répéter là, je vais y arriver. Et là, vas-y, montre si tu y arrives. Tu montres à tout le monde, surtout à la caméra qui est là. On l'espère. Quand tu sens que tu as réussi, tu t'arrêtes et tu montres à tout le monde. Oui!